Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans ma salle des coffres qu'on a aménagée ensemble la dernière fois, vous l'aviez déjà vu. On va tout de suite passer ensemble une fois de plus dans la salle des fours, belle petite salle des fours. Et nous allons tout de suite nous diriger vers la salle de quoi tiens d'ailleurs. Eh ben ce sera ma chambre ici. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous vos... Je voulais vous remercier pour tous vos retours sous l'épisode précédent. Ça me fait super plaisir. Une fois de plus, j'ai eu plein de commentaires. Tu dégages. Voilà. Quelle belle baie vitrée. Hein. Quelle belle soirée. Soirée. Ouais, ouais. La lune se lève très vite. Bon, écoutez, alors aujourd'hui... Beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Je sais même pas si on va avoir le temps de tout faire, ça va être un truc de malade. Donc déjà, bah oui, hein, on a toujours du diamant en dessous, tout ça. Bon, je peux pas aller le chercher. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était retourner dans le mineshaft. Souvenez-vous, on y avait été la dernière fois, mais on était passé très furtivement. Hein. Je veux dire, j'étais pas assez stuffé. Donc là, cette fois-ci, je suis plutôt pas mal. On va tenter de bien s'équiper comme il faut. Alors attendez, je regarde... Ouais, on est franchement pas trop mal cette fois-ci. Alors aussi, je vais aller voir comment vont mes cultures de l'autre côté. Toi, tu dégages. Ah, mon vieux, bah oui, ça pique un petit peu. Déjà, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ouh, ça pleut. Ouh, ça pleut. Ah oui, ça pleut, mais ça fait pas nuit. Hein. Non, non, c'est juste que ça flotte. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a nos poulets. Ah bah déjà, écoutez, je pense qu'on va récolter. On va récolter tout ça. Hein. Voilà. Attendez. Parce qu'il y en a, c'est pas totalement prêt. Ça, c'est de la graine. Bon, écoutez, on va tout récolter. On va absolument tout récolter. Et on va tout replanter. Je veux dire... allez, on n'est pas à 2-3 graines près, au pire. Voilà. Ah, et regardez ça. Après la pluie, vient le beau temps. Toujours. Vous connaissez cette expression? Si avec ça, on n'a pas de quoi replanter comme il faut, hop, on replante nos petites graines de blé tranquillement. Ok, nickel. Tout est replanté. C'est impeccable. Ouh, par contre, j'avais oublié celle-ci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que déjà... Ah ben déjà, on a du foin, mon gars. On a du foin. On a des graines de blé pour refaire quelques petites poules. Je pense qu'on va les nourrir. Allez, venez mes cocottes. Venez mes cocottes. Voilà, prends ça. Prends ça, toi, à côté, le petit. Oh, putain, c'est pas vrai, ça. Voilà, pour le petit. Pour les cocottes, ici. Voilà, prends ça, le petit. Et voilà. Allez, faites des gosses, maintenant. Je peux peut-être aller chercher un petit mouton, aussi, hein, quand même. Hein. Je suis pas loin, je suis à côté, tant qu'à faire, je veux dire. Est-ce que j'ai à manger sur moi? Oui, bah, bien sûr. On va aller chercher un petit mouton, un moutonnet. Tiens, tu veux une côte de porc, mon gars? Allez, viens là. Est-ce que je peux en prendre deux? Ouais, on va tenter d'en prendre deux. Hein. Attendez, je vais appâter celui-là, là-bas. Allez, oui, regardez. Oui, 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 oui. Ça va, allez, allez, viens. Oui, tiens, regarde. Oui. Eh, oui. Eh, bah, oui. C'est peut-être qu'ils ont les moutons, mon gars. C'est chaud, quoi. C'est pas RP, mon vieux, ce truc-là. Putain, mon vieux, mais quelle tête de mule, celui-là! Quand ils veulent rien écouter, ils écoutent rien. Hein. Celui-là, il écoute, ça va. C'est un bon mouton. Mais l'autre, pas trop. Allez, hop. On rentre là-dedans, mes petits gars. Allez, allez. Voilà. Ça, c'est la récompense. Allez, tiens. On va un petit bout, toi. Tiens. Attendez, on peut en redonner aux poules, là? Ouais, ouais, on va leur en donner. Voilà, on va nourrir un peu nos poules. Voilà, là, 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 là. Tiens, regardez, il y a déjà un petit mouton. Il est en train de me brouter le gazon. Il va y avoir du grabuge. Il y a déjà un zombie, là. Allez, ça dégage. Putain, il y a de la migale et tout, mais il y a du monde là-dedans. Laisse tomber, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Allez, ça. Oh, putain. Va falloir qu'on aille chercher du diamant aussi. Bah, pour ça, faudrait qu'on retourne dans le mineshaft. Et faudrait que je trouve des carottes aussi. Donc, je vous ai dit la dernière fois que j'avais repéré un petit village, que j'avais également repéré un espèce de grand château, mais une grande baraque pas loin. Faudra qu'on aille y faire un tour. Peut-être pas aujourd'hui, je pense pas. Bah, à mon avis, faut être... Oui, je vais me faire péter la gueule, là. À mon avis, faut être stuffé pour aller là-dedans. Je pense que les fours, on va enlever ça d'ici. On va mettre ça en bas. Voilà, salle des fours, nickel. Donc, on va poser ici et on va en mettre un ici. Voilà. Ça, attendez, je vais le coller contre le mur plutôt, ça. On va plutôt le mettre là. Voilà, on va marquer... Salle des coffres. D'hiver, on va ranger ça. Alors, attends. Végétal, on peut ranger ça. Ok. Outils armes, on va mettre ça. Poudre à canon. Nourriture. Pour aller dans le mineshaft, j'ai pas besoin de ça.
Ça, ça va avec les outils. Par contre, on va garder les panneaux. Je vais peut-être me refaire une pioche en diamant, à mon avis. On va s'en refaire une. Je vais faire 2-3 torches également. Petite pioche en diamant. Ça va vite au final. Hein. Voilà, nickel. Moi, je vais la mettre de côté. Et je vais me refaire également 2-3 panneaux. Ça peut toujours servir au cas où je me perds. Et des torches. Nickel. Bon, à mon avis, on est paré pour l'aventure, là. La grande question, c'est est-ce que je vais avoir assez à manger? Je ne pense pas. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Pomme dorée. Je vais en prendre une. Je vais même en faire un peu. Attends, parce que j'avais fait fondre de l'or, normalement, il me semble. J'avais... Yes! J'ai des lingots de fer. Yes! Voilà! Il me semblait bien que j'avais fait fondre de l'or. Bah oui! La dernière fois, j'avais laissé ça comme ça. Donc ça, je vais ranger ça là-dedans. Alors, attends. Tac. Voilà. Et on va s'en faire... on va s'en faire deux. Hein. Voilà. Comme ça. Oh! Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde. On va s'en faire une autre. Comme ça. Tac. Nickel. On en aura 3. C'est impeccable. Allez, du coup, là, on est paré. On y va. Par contre, vaut mieux pas que je perde parce que j'ai quand même pas mal d'outils sur moi. Direction. Bah, direction la mine. On va aller voir le mineshaft en espérant que tout se passe bien. Ah, putain. Ici, c'était quoi déjà? Ah oui. Je vois. Voilà. Là-bas, d'ailleurs, il y a des blocs de magma que je pourrais récupérer. Ça pourrait être cool. Bon, je m'en suis toujours pas servi. C'est un truc de fou. Faut tellement longtemps pour aller jusqu'au bout de la mine. Ça fait trop longtemps que je cours, quoi. Bon, bah, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Je vous l'ai montré. Mais c'est vraiment super long. Je crois qu'on y est. C'est là. Ouais, c'est par ici. C'est là. On y est. Ok, d'accord. Bon, cette fois-ci, on part en visite. Alors, je vais poser quand même quelques torches. Histoire... Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Par ici, on n'a rien. Ok. Ouais, putain, on a déjà un zombie, là. Allez, vas-y, dégage. On va tenter de fouiller tout ça. On va tenter de trouver du diamant, surtout. Toujours en quête de diamant. Je vais marquer entrée ici. Comme ça, je saurai que c'est là. Je vais reposer un panneau là. Je vais mettre des flèches comme ça. Ouais, c'est con, mais c'est histoire de pas me perdre, je vous jure. Je vais vite me perdre là-dedans. Allez, on va ramasser un petit peu de charbon. Je vais tenter aussi de couper les arrivées d'eau. Ça peut être super pratique. Surtout quand ça te fait chier comme ça, là. Déjà, vas-y, coupe-moi cette arrivée d'eau. Crac, comme ça, ça s'est fait. Nickel. On est déjà un peu mieux, là. Ah, j'ai même pas pris mon seau pour prendre de l'obsidienne. Ok, on continue par ici. Ici, pareil, il va falloir couper l'arrivée d'eau. Il y a pas mal de ferraille, là. Oh, écoutez. What? Il y a eu un bruit chelou, là-dedans. Attends, je peux couper l'arrivée d'eau, là? C'est encore pire. Vas-y, on va monter là-dedans. Où est-ce que... Putain, où est-ce que ça coule comme ça? Il y a un zombie là-bas. On va tenter... Bah, je rappelle aussi qu'on est sous l'océan, hein, direct. Hein. On va tenter de couper l'arrivée. Voilà, c'est ici. Tac, comme ça, c'est bon. Ouais, je vous rappelle qu'on est sous l'océan. Donc là, on a quand même... Attendez, hein, faut que je mette mes petits panneaux quand même, parce que sinon, je vais jamais m'y retrouver là. Voilà, là c'est par là. Ensuite, enfin, vous voyez, je sais déjà même plus où c'était. C'était par là? Ou l'autre côté? Ah oui, c'était par là. Ok, d'accord. Ensuite, c'est par ici. Voilà. Là, on va tout ramasser. C'est quand même pas mal mon petit système de panneaux, histoire de pas me perdre. Voilà, puis je peux même poser une petite torche à côté des panneaux. À mon avis, ce sera encore mieux. Ouais, je vais ramasser les rails. Hein. Je rappelle aussi, mon objectif, c'est de faire une mine. Voilà. Tac. Du charbon. Ouais. Yes. Oh, 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 oh. Oh, je suis coincé. Je suis coincé. Ah, par contre. Attendez. Foiré. Ouais, lui aussi, il est coincé, tiens. Dégage. Aïe aïe aïe, ce truc de fou. Donc là, de toute façon, oui, bon bah, y a pas photo, hein. De toute façon, c'est par ici. Je vais prendre ça. Ici, je vais mettre un panneau, pareil. Sauf que c'est l'autre côté, voilà. Ouh, mais il y a pas mal de ferraille dans le coin, là, dites-moi. Attendez, il y a de l'eau aussi. J'entends de l'eau, je vois le zombie. Tu dégages. Voilà. Donc, va falloir couper l'arrivée d'eau quelque part. Ah, ok, c'est ici. Allez, ça, ça dégage. Avec quoi? On va le couper avec de la terre. Allez, crac. Voilà, c'est bon, nickel. Donc là, oui, c'est forcément par ici. Hein.
Je vais pas me perdre. Du charbon, il y en a masse, mais du diamant, il y en a pas tant que ça, quoi. Ok, il y a rien ici. Attendez, je vais creuser un peu. Je suis arrivé au bout, là. Oh, écoutez, je creuse depuis tout à l'heure, là, et j'entends, d'ailleurs, j'ai vachement creusé depuis tout à l'heure, hein. Je suis pas tombé sur un diamant, hein. Bon, là, il y a un petit peu de ferraille au-dessus, j'ai vu vite fait, mais la ferraille, je commence à en avoir pas mal, hein, honnêtement, ma pioche en diamant est quasiment morte. Ah, j'entends de la lave, je crois, ouais, il y a de la lave qui est vraiment pas loin. Oh, ah, elle est morte. Heureusement que j'en avais fait une deuxième. Je vais manger un petit coup. Voilà. Ah, j'ai plus rien à bouffer. Le reste, c'est des pommes dorées, quoi. Et donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans le mineshaft, histoire de bien fouiller. Parce qu'en vérité, j'ai quasiment rien fouillé pour le moment. Ah, regardez ça. La longueur que j'ai minée, là. C'est un truc de fou, hein. On va poser ça là. Tac. Voilà, nickel. Merde. Rends-moi ça. Ah, je vous le dis, je suis organisé, là, pour cette fois, là. Je suis très organisé. Voilà, on coupe ça. T'inquiète, mon gars. Y a rien qui va venir me perturber, là. On va remettre un panneau qui va par là. Voilà. Ah bah, tiens. Ah, vous voyez que ça sert. Ah, oh, l'enfoiré. Pardon, excusez-moi. Attends, l'enfoiré, mon mec. Comment il m'a foutu les poules, en vrai? Non. T'as pas pété mon panneau, mon gars. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez comme quoi que ça sert, les panneaux. C'est par où? D'accord. Donc par là, ok, si je continue par là, ça va être l'entrée. Donc oui. Donc là, j'ai mis un panneau pour aller par là. Ça veut dire que je suis pas forcément allé par ici. On a de la lave ici. Ouais. Ouais. Elle est où l'entrée? Elle est par là? J'ai pas été par ici. J'ai presque plus de panneaux, j'aurais dû en faire plus. Là, je suis pas terrible, là. Hein. Ok. Oh, putain, il y a de la migale. Il y a de la migale. Attendez, bougez pas. Tac, comme ça. Je mets ça là. Voilà, c'est par ici. Oh, il y a du gold, là. Ça, c'est cool. On a un peu de gold. On a du charbon. Ouais, bah tu me diras. Bon, du charbon, ça se prend toujours. Hein. On a du lapis-lazuli derrière. Le gold, c'est plutôt cool pour tout ce qui va être pomme dorée. Ouais, la pile à Julie, on va prendre. Hein. Oh, c'est... Oh, oh. Mais what? Mais casse-toi, putain, elle m'a empoisonné, elle. Dégage. Merde, comment que t'arrêtes le poison, là? Ça s'arrête tout seul, au moins. Ouais, c'est bon, ça s'arrête tout seul. Oh, putain. Oh là là. Merde. Merde, 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 merde. Allez, dégage. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai mis des panneaux. J'y retourne. Mon stuff, il a pas cramé quand même. Il me semblait que ça cramait le stuff dans la lave. Si c'est ça, je suis fou. Putain, j'ai perdu tous mes niveaux, j'ai tout perdu. Merde! J'ai perdu tous mes niveaux! Non! Oh, je suis fou! Et puis, je crois bien que les trois quarts de mon stuff, il a cramé dans la lave. Lui, il a une pelle. Je crois que c'est là, non? Attends, lui, il a une pelle, cet enfoiré. Oh, putain, mon gars. Il me donne sa pelle? Même pas. Ouais, c'était par là. Ah ouais, mon stuff, il est mort. Hein. Il était ici, mon stuff. Hein. Attendez, c'est quoi, ça? Oh! Ça spawn. Oh non, 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 non. Non, dégage, dégage, dégage. Vas-y, on va se refaire un stuff. Hein. Je vais rentrer. Et... Mais non, mais il y a un squelettor qui m'attend dans ma mine, quoi. C'est quoi ce bordel? Dégage, gros. Putain, mais c'est cheaté, ça. Ah, mon gars, il me lâche pas. Je dors.
Je ne peux pas dormir. Super. Oh. Mais c'est quoi cette blague, mon gars? Qu'est-ce qu'il fout dans ma salle des coffres, lui? Il va tout faire péter, cet abruti. Mais non, mais c'est pas possible. Ah, il me restait pas un peu de diamant? Bah non, j'avais tout niqué pour faire une pioche. Ah merde, hein. Merde. Ah, je vais me faire un stuff en fer, hein, pas le choix. Hein. Bon, écoutez, je me suis refait un petit stuff en fer. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas une armure en diamant, mais pour aller récupérer ce qu'il y a dans le Manshaft, je pense que ça fera l'affaire. C'est y part. Je sais plus où est-ce que c'était. Oh, pop, pop. C'était pas par là. Ah, yes, bah, c'est par là. C'est par là. Bah, c'est là. C'est là, on y est. Oh, putain. C'est là que mon stuff est mort. Hein. Ouais. C'est le lieu du crime. C'est le lieu du drame. Allez, dégage, toi. Ouh, j'ai cru qu'il allait exploser, l'enfoiré. Allez, ça dégage. Voilà, tu dégages. Donc, je sais qu'il y a un coffre qui est juste ici. Je peux le détruire, ce machin? Voilà, c'est le spawner d'araignée. Je viens de le détruire. Par contre, j'aurais dû refaire des panneaux. Ouh, l'enfoiré. Ouh, elle est morte? Ouais, c'est bon. On a de l'eau par ici. Ah, faut surtout pas que je me paume. C'est quoi? C'est le boss des araignées, ça, ou quoi? Elle a l'air chamée, celle-là, non? Pas plus qu'une autre, en fait. Oh, putain, il y a du diamant à côté, je l'ai vu. Attends. Je l'ai vu. Ouais, 3. Bon, c'est pas mal. De quoi faire une pioche, quoi. C'est toujours ça de prix. On va aller voir par ici. Ah, là, par contre... J'ai pas ramené mes panneaux, putain. Je suis pas bien sans mes panneaux, là. Attendez, je vais couper ça. Voilà, parce que je sens que je vais me perdre. Ouais, il y a un zombie ici, là. Allez, tiens. Voilà. Tu dégages. Ouais, je m'en vais loin. Putain, on a du charbon. J'ai pas de bois, non? Ah putain, j'aurais presque pu me faire une table de craft. Genre pour faire des panneaux ou quoi. On va aller voir l'autre côté. Charbon. Creeper. Bah écoutez, on va le faire péter. Voilà. Au moins, il me donne un petit peu tout ce qu'il faut. Putain, y a rien ici. Y a que dalle, hein. Ouais, du charbon. Ok, on va le prendre. Oh, écoutez, c'est quoi ça? Il y a comme un bruit suspect, là. Oh, il y a de l'eau pas loin, de l'eau ou de la lave. Oh, bah tiens, regardez ça. Je retombe pile poil sur le Manshaft. Mais, oh putain, mais où est-ce que je suis parti encore? Allez, crack, il a niqué son collègue, même pas. Allez, explose. Vas-y. Oh! Zombe! Dégage! Mais what? Mais y'a rien ici. Y'a que dalle. Faut que je remonte. Ah putain, si, y'a des zombies. Allez, dégage. Putain, y'a pas de diamant. Hein. Y'a pas de diamant, quoi. Est-ce que je peux... Oh, c'est risqué ce que je fais. C'est tellement risqué ce que je suis en train de faire. Oh, pas plus que ça, tu me diras. Je sais absolument pas où est-ce que je m'en vais. C'est dangereux ce que je suis en train de faire. On est parti à l'aventure là, mes amis. Mais alors, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de foutre. On a de l'eau pas loin. Ok, on a de l'eau juste ici. Oh, du gold. C'est pas du diamant. Mais c'est pas mal. Où est-ce qu'elle mène cette sortie d'eau là? Oh! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oh je l'ai eu! J'ai pas de... Attends, j'ai déjà mangé. Vite. Mange. Vas-y. Ouais, j'ai eu chaud, attendez. On va boucher ça là. Allez, ça dégage mon gars. Ça dégage. Ils sont combien là? Sur qui ils tirent? Ils se tirent entre eux ou quoi? Allez hop, ça dégage les gars. Je récupère des flèches. Bon, il y a un peu de ferraille et tout. Bon, de la ferraille, j'en ai pas mal. Hein. Je suis full stuff ferraille là. Mais où est-ce que je m'en vais?
Là, c'est un truc de fou quand même. Je sais pas où est-ce que je suis parti. Mais j'y vais. J'ai combien de flèches? J'en ai 8. Ouais, on peut remonter par ici. Ça se trouve. C'est impossible que je remonte par l'extérieur, de toute façon. Puisque là, on est sous l'océan, là. Là, on est sous l'eau, c'est sûr. Cul-de-sac, il y a par ici. Cul-de-sac. Bon, bah écoutez. Ah putain, puis je suis équipé. Puis j'ai vraiment des équipements de tantous, quoi, franchement, là. Une torche, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une torche, quoi. Écoutez, là, je peux vous le dire, hein, je suis officiellement perdu. Là, je sais absolument pas où est-ce qu'on est. J'ai pas prévu assez de panneaux, en fait. Je vais tenter de retrouver mon chemin, mais... Ça va être tendu. Allez, je vais prendre un peu de ferraille, histoire d'eux, mais... ouais. Ah non, j'en ai pas tant que ça, de la ferraille sur moi. Bon, j'en ai à la maison, tu me diras. J'ai pas mal de lingots, mais je vais en prendre quand même un petit peu. Oh, attendez, on a peut-être quelque chose par ici. Oh, oh, oh. Oh, on a une caverne ici. Un creeper. Ouais, pourquoi pas. Voilà, ça c'est fait. Où est-ce que je m'en vais? Je sais même pas où est-ce qu'on s'en va, là. Oh putain, il y a une espèce de sorcière. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Allez, dégage, dégage! Casse-toi! Oh, 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 oh! Allez, crac! Crac! Oh putain! Allez, dégage! J'ai niqué les deux là? J'ai niqué les deux. J'ai combien de flèches? 4. Oh! Oh putain! Fais chier quoi, il me faudrait du bois quoi! Il n'y a pas de bois par ici. On a du gold avec un zombie qui est... Attendez. Voilà, nickel. C'est bon, c'est bon. Putain, mais lui, il est tout seul du coup. Comment ça se passe? Allez hop, ça dégage toi. Ah, j'aurais eu une table de craft là, on se serait mis tellement bien. Oh, yes. Ok. Nickel. Bon, un. Un diamant. Bon, tu me diras, c'est toujours ça de prix, hein, mais... C'est pas ouf non plus, quoi. Attendez, je vais passer par ici. La pilazuli, de la ferraille. Ah, je préserve ma pioche un petit peu... Ah, j'ai un bâton. Ouais, mais bon, ouais, j'ai pas de table de craft. Je préserve ma pioche un petit peu pour le diamant, au cas où. Là, ça commence à être chaud, par ici. Oh là là, et mon gars, mais... C'est Indiana Jones, là-dedans. Oh! Vous voyez? Je fais bien de préserver ma pioche, hein. Ah, puis il y en a pas mal, là. Il y en a 4, tiens. 5, 6, 7, 8. Ah bah là. Mais là, c'est l'Eldorado ici, mon gars. C'est bon. On a gagné, là. 12. 12 diamants, yes. Ouais, maintenant, faut juste que je retrouve la sortie, quoi. Tranquille. Bah, ça devrait le faire, quoique j'en sais rien, en fait. Allez, avec tout ce que j'ai sur moi, là, je peux pas me permettre de perdre. Putain, le bâtard. Oh. Wow. Wow. Oh putain, je mange. Vite, 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 vite. Je mange. Je récupère. Wow. Oh, il est là. Enfoiré, vas-y, retourne en enfer, toi. Allez, dégage. Zombie. Je sais pas si je vais m'en tirer vivant. Mais merde, je le tape avec un bloc de pierre. Oh. Oh, mais c'est quoi ça? Les mecs, là, oh. Dégage. Cassez-vous, là. Putain. Je sais pas si on va s'en sortir, franchement. J'ai un doute, là. Allez, il faut y croire. Hein. Il faut vraiment... Oh, putain. Il faut vraiment que je retrouve la sortie. Je sais pas où est-ce qu'elle va être. Oh putain, mais non mon gars. Mais c'est pas vrai. C'est une blague. Oh. Ok. Je suis dans un cul-de-sac. Allez, dégage. Enfoiré, va. Putain, mais c'est pas vrai, mais elle me touche comment? Vas-y, donne-moi du bois. Allez, on se met bien. Tout n'est pas encore perdu là. Allez, fais-moi une table de craft.
Tac. Oh putain, je vous jure, cette aventure, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si je vais avoir assez de bois. Ah yes, j'en aurai assez. Allez mon gars. Petite pioche en diamant. Petite épée en diamant. On se remet bien. On revient de loin, franchement. On revient de très loin, là. Oh yes. Ok, nickel. Ça y est, on commence à se remettre bien. Il y a de l'eau ici. Putain, il y a du zombie. Ok. Allez, dégage. Retourne en enfer, mon gars. Ouh! C'est nerveux. C'est nerveux. C'est très nerveux. Non. Bon, écoutez les gens, on va se laisser là, je pense, pour aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas envie d'y retourner. Ça fait déjà un moment que j'y suis là. Et c'était pas la journée de la chance aujourd'hui. Voilà, j'étais parti pour me mettre bien là, avoir petite botte en diamant, casque en diamant, épée, enfin tout le bordel. Et au final, je me retrouve dépourvu de tout vêtement. Voilà, je suis un peu tout nu aujourd'hui. C'est une mise à nu devant vous. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était sans. Bon, écoutez, je me remettrai bien pour une prochaine fois. J'irai me stuffer un petit peu. J'irai dans une petite grotte à côté. Certainement pas dans la mineshaft, là. Mais va juste falloir que je creuse un petit peu, au final, un peu plus bas. Et je vais certainement tomber sur quelques diamants, des trucs comme ça, histoire de me remettre bien. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye !